C'est dans le cadre de sa politique de sécurité sociale que la Fondation Grand Cœur offre ses dons. Dons composés entre autres de 350 sacs de sorgho, 80 sacs de riz, 39 sacs de sucre, 75 cartons de savon, 40 bidons d'huile destinés aux couches vulnérables de la province du Logone-Oriental. Pour le point focal de la Fondation Grand Cœur du Logone-Oriental, Alara Madjimbaye Goto Irénée, à travers ses dons, la première dame Hinda Devi Itno entend mener une âpre lutte contre le coronavirus. Son Excellence Madame Hinda Devi Itno, première dame de la République, présidente de la Fondation Grand Cœur, qui fait de la sécurité sociale l'une de ses priorités, ne peut rester indifférente face à cette pandémie de coronavirus qui fait trembler le monde entier. Moussa Haroun Turgo, gouverneur de la province du Logone-Oriental, affirme que ce don prend en compte l'appel lancé par le président de la République, Idriss Déby Itno, pour une mobilisation dans la lutte contre le Covid-19. Je verrai personnellement à ce qu'ils parviennent en totalité de leur destinataire. J'adresse une fois de plus au nom de la population de Logone-Oriental et à mon nom personnel mes vifs remerciements et toute ma gratitude à la Première Dame pour cette action en faveur des personnes vulnérables de la province. Les bénéficiaires ont exprimé toute leur gratitude à la présidente de la Fondation Grand Cœur pour son altruisme. Séance tenante, les bénéficiaires de ces dons d'une valeur de 10 millions de nos francs CFA ont été servis selon la clé de répartition fournie par la Fondation Grand Cœur.